Johnny Hallyday était-il résident américain? Cette question est au cœur de la bataille juridique que livrent ses aînés contre Laetitia Hallyday. Voici sa green card, une pièce d'identité que nous nous sommes procurée. Pour le clan Laetitia, aucun doute, Jean-Philippe Smet résidait outre-Atlantique. Il pouvait donc, selon eux, priver ses aînés de tout droit sur son patrimoine. Comme le prévoit la loi américaine et contrairement au droit français qui ne permet pas de déshériter ses enfants. Mais il faudra encore attendre plusieurs mois, voire plusieurs années, pour qu'un juge décide si ce testament américain est valable ou non, sur la base de plusieurs éléments. Là où il avait l'essentiel de ses biens, là où il avait l'essentiel de son activité, tout un ensemble de critères qui font que les juges décident, là c'est la résidence habituelle, là ça ne l'est pas. Et la date à laquelle le testament a été fait, visiblement c'est 2014, dans quel état il était, est-ce qu'il est valable? Donc il y a ça aussi qui va se mettre là-dessus. D'ici là, David Hallyday et Laura Smet demandent aujourd'hui à la justice de geler temporairement et en urgence le patrimoine de leur père. L'objectif des aînés Hallyday est triple. D'abord, obtenir un droit de regard sur l'album posthume de leur père, ce que refuse Laetitia pour l'instant. Ensuite, interdire à Laetitia la revente des biens immobiliers, les villas de luxe à Los Angeles, Saint-Barthélemy et Marne-la-Coquette. Et enfin, geler le versement des droits d'auteur du chanteur à Laetitia. Un premier match judiciaire qui va se dérouler entre avocats. Ni les aînés ni la veuve de Johnny ne seront présents à l'audience.